Le Seigneur, vous savez que nous sommes arrivés à la fin du mois de mars. Comme on avait dit que le mois de mars, c'est le mois des enfants, nous voulons conclure par un message qui est très important au sujet du baptême du Saint-Esprit, et nous voulons que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans le livre de Joël 2:28, comme il est écrit dans Actes 2:38, et aujourd'hui, nous voulons écouter encore le message que Sœur Pauline va nous apporter pour conclure le mois de mars. Et je vous encourage à prier, je vous encourage à encourager vos enfants à prier pour que tous ensemble, nous puissions voir la main de Dieu sur nos enfants, pour que tous ensemble, nous voulons voir nos enfants remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous voulons ouvrir
nos cœurs aujourd'hui pour écouter ce que le Seigneur nous a préparé encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avions consacré tout ce mois pour nous regarder sur le plan de Dieu pour nos enfants, le plan de Dieu pour les enfants dans l'Église. Et nous voulons finir ce mois, alors que nous arrivons au dernier dimanche du mois de mars, par ce thème que le Seigneur m'a inspiré, c'est « Un réveil parmi nos enfants ». Vous savez que nous sommes dans les derniers temps, et un réveil est promis dans les Écritures, et nous voyons que même les enfants sont inclus dans ce réveil. Nous commençons par Joël 2, 28, qui nous dit ceci, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, pas quelques chairs, pas une partie, mais sur toute chair. » Ensuite, il nous est dit ceci que « vos fils et vos filles prophétiseront ». Donc nos enfants sont déjà inclus dans cette promesse. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes ». Nous voyons plus tard, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va reprendre cette même citation de Joël 2:28 dans Actes 2:17. Et dans Actes 2:38 à 39, Pierre, en prenant la parole, va dire ceci. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Au verset 39, il est dit ceci. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse est pour nous, mais elle est aussi pour nos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dans ces versets, nous voyons que la promesse du réveil est réelle. Le réveil est là, nous sommes dans les derniers temps. Et si un réveil est promis à l'Église, les enfants sont inclus dans ce réveil. Vos fils et vos filles prophétiseront. La promesse, elle est pour vous, elle est pour nous, elle est également pour nos enfants. La promesse du Saint-Esprit, cette promesse, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est déversé pas seulement sur les adultes, mais également sur les enfants. Les enfants sont inclus dans le réveil des derniers temps. Ces mêmes enfants, dans les derniers temps, reçoivent le Saint-Esprit. Les enfants prient, louent le Seigneur, prophétisent, ont des visions du ciel, évangélisent et amènent d'autres enfants au Seigneur. Dans Jérémie 1:5, il est dit ceci, que « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc l'appel de nos enfants est fait par Dieu dès le sein maternel. Nous voyons par exemple que Samuel, très jeune, était inclus dans le ministère. David, très jeune, a vaincu Goliath. Nous voyons l'histoire de la petite servante de Naaman qui a pu témoigner qu'il y avait un prophète en Israël. Et par son témoignage, Naaman a pu être guéri de sa lèpre. Et ce témoignage est venu de la bouche d'un enfant, d'une petite fille. Nous voyons également dans les évangiles des enfants qui explosent dans la louange. Et nous voyons aussi que Jésus-Christ a 12 ans, était puissant dans l'esprit et rempli de sagesse. Et nous voyons aussi que les enfants assistaient aux réunions de Jésus-Christ dans les évangiles. Nous avons également dans les évangiles le récit du petit garçon qui est venu avec 5 pains, avec du pain et des poissons, qui étaient disponibles. Et 5000 hommes et femmes ont pu avoir à manger, y compris les enfants. Parce qu'un petit garçon est venu avec ce qu'il avait, des poissons et du pain que Jésus a pu multiplier. Les églises qui connaissent un réveil ou un renouveau réalisent que Dieu ne fait exception de personne. Que quand le Saint-Esprit est déversé, elle est déversée également sur les enfants. Non seulement les enfants ou les jeunes expérimentent des choses surnaturelles, mais Dieu les utilise également d'une manière puissante à leur jeune âge. J'espère que ce message va changer votre regard, notre regard sur l'accueil des enfants dans l'Église. Comment accueille-t-on les enfants dans l'Église? Quelle place nous préparons pour eux lorsqu'ils viennent au culte le dimanche matin? L'accueil des adultes, on en parle souvent,
de comment accueillir les adultes, mais quel accueil nous préparons pour les enfants? Dès que les parents arrivent, ils s'installent et ils apprennent très vite comment calmer leur bébé, comment empêcher le bébé de pleurer pendant le culte, afin qu'ils puissent être nourris eux-mêmes spirituellement et être nourris par la parole. Et nous voyons des parents avec des enfants qui marchent déjà et qui vont essayer de les occuper par du coloriage, de la lecture, pour qu'eux puissent suivre la prédication. En général, lorsque nous voyons les enfants dans l'église, nous les trouvons mignons, nous les trouvons choux, on dit toutes de belles choses sur eux. Nous les trouvons, certains enfants sont calmes, d'autres sont agités, d'autres dérangent parfois. Et nous avons plein de petits enfants que nous devons surveiller. Les parents ont besoin, lorsqu'ils arrivent dans l'église du ministère des enfants, par l'école du dimanche, pour prendre soin de leurs enfants, afin qu'eux aussi puissent profiter du culte sans interférence et sans coupure. Maintenant, la question, est-ce qu'on considère, par exemple, que les enfants sont une perturbation pour le déroulement du culte? Est-ce qu'on construit le culte en pensant aussi à la présence des enfants? Voilà la question qu'on doit se poser. Nous devons savoir que Dieu ne touche pas seulement les enfants, mais il les utilise également. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup de plaisir à raconter des histoires amusantes de la Bible à nos enfants, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons leur parler de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ? Nous devons leur dire que Dieu est fort, il peut tout faire. Nous devons leur faire savoir que Dieu tient toujours ses promesses, que Dieu nous donne aussi des règles, des lois auxquelles nous devons obéir. Nous devons également leur dire que même si papa et maman ne sont pas là, Dieu voit tout. Voilà ce que nous semons dans le cœur de nos enfants. Nous devons aussi leur apprendre que Dieu nous donne une discipline dans la vie chrétienne parce qu'il nous aime, parce qu'il est rempli d'amour pour nous. Les enfants sont dans l'église, mais puisqu'ils sont tout petits, quelquefois on ne les voit pas entrer dans l'église. Ils sont petits, nous avons des bébés, nous avons des enfants un peu plus grands, mais quelquefois on ne les voit pas entrer dans l'église. Mais ils sont là, et donc il faut les évangéliser. Car les enfants sont inconvertis. Nous devons les amener à la conversion. Nous devons les conduire à Christ et nous devons faire de nos enfants des disciples. Alors, quelles sont les étapes de la conversion d'un enfant? Au même titre que les adultes, les enfants doivent entendre l'Évangile. Mais leur situation, elle est particulière parce que les enfants sont en phase de construction dans leur vie. Les enfants évoluent, les enfants grandissent et les enfants changent. Donc cette évangélisation ou cette introduction à la foi chrétienne de nos enfants nécessite, nous le savons très bien, un langage à leur niveau, des méthodes appropriées et un lieu approprié pour eux. Dans les étapes de l'évangélisation des enfants, nous devons savoir aussi que les enfants doivent faire face à leur situation devant Dieu. Les enfants doivent avoir la prise de conscience de leur péché, la prise de conscience de la repentance, de la nouvelle naissance, de ce que nous considérons comme l'étape de la conversion, de prendre une décision. Donc cette étape-là d'évangélisation des enfants, elle est réelle. La conversion des enfants dans l'Église passe par des étapes, par plusieurs étapes, par des acquisitions différentes des éléments de la foi, suivant leur âge et leur évolution. Notons aussi que les enfants dans l'Église passent par des phases au cours desquelles eux-mêmes ne sont pas toujours sûrs de leur positionnement, en particulier les adolescents. Les adolescents passent par des moments où ils se posent des questions. Okay, l'appel à la conversion des enfants demeure nécessaire, car l'être humain, quel que soit son âge, doit être mis face au message de l'Évangile, à l'interpellation, à l'appel de l'Évangile. Nous devons savoir que l'armure dans Éphésiens 6 est aussi à la taille de nos enfants. Quand nous enseignons Éphésiens 6 aux enfants, nous leur disons que Dieu a une armure qui convient à leur taille. Nous leur enseignons qu'ils ne sont pas trop petits pour revêtir l'armure.
Leur tête a besoin d'être couverte par le casque du salut. Leur cœur a besoin d'être protégé par la cuirasse de la justice de Jésus-Christ manifestée sur la croix. Ils ont besoin de la ceinture de la vérité. Ils ont besoin des chaussures de l'évangile de paix. Ils ont besoin de l'épée de l'esprit. Ils ont besoin du bouclier de la foi. L'armure de Dieu est à leur taille. Dieu a une armure pour tous les âges, pour toutes les tailles, des petits jusqu'aux grands. L'armure de Dieu peut s'adapter à la taille de nos enfants. Nos enfants ont besoin de l'épée de l'esprit. Alors la question que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est le réveil parmi nos enfants. Comment rendre nos enfants puissants? Comment nos enfants peuvent expérimenter le réveil? Oui. Le psaume 127, 4 à 7 nous dit que comme des flèches dans la main des guerriers, ainsi sont les fils de la jeunesse. Donc nos enfants peuvent devenir puissants. Ils sont des flèches dans la main d'un guerrier. Et nous devons commencer à exercer le ministère de la présence de Dieu dans leur vie dès qu'ils sont tout petits. Leur intellect peut ne pas comprendre tout, mais comme nos enfants sont des êtres spirituels, ils sont conscients de la présence de Dieu. Vous devez savoir également que l'armure qui nous est donnée dans Éphésiens au chapitre 6, cette armure-là est pour nos enfants également. Elle est à leur taille. Nous leur enseignons tout petits qui peuvent revêtir le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier. Et nous savons que cette armure-là n'est pas seulement pour les adultes, mais ils ont une armure à leur taille. Dieu a conçu une armure pour tous les âges. Et nous prions pour avoir des personnes remplies d'onction pour travailler avec nos enfants, pour créer cette atmosphère spirituelle et saine dans nos classes d'école du dimanche, dans nos maisons, pour que nos enfants puissent être préparés à recevoir le Saint-Esprit. Les petits et les jeunes, nous devons savoir que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ce n'est pas un Saint-Esprit junior en miniature qui est adapté pour les enfants. C'est le même Saint-Esprit que nous recevons, nous adultes. C'est la même puissance que nous recevons. L'âge n'est pas le critère, mais c'est plutôt le vouloir qui est le critère. C'est la seule limite qu'a un enfant, c'est les limites que nous-mêmes, adultes, nous leur imposons. Mais les enfants n'ont pas de limites. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, comme il est dit dans 1 Corinthiens 1, 27. Les prophéties de Joël couvrent une vaste période s'étendant de la détresse qui caractérise son époque, dans ce temps-là où il y avait l'oppression du peuple de Dieu, jusqu'à sa restauration et à sa bénédiction au jour de Christ. Ainsi, Joël porte un bon droit titre de prophète du jour de l'Éternel, parce que le jour de l'Éternel est mentionné 5 fois dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, nous voyons également qu'il y a la grande invasion de sauterelles et la sécheresse qui étaient des châtiments envoyés par l'Éternel. C'est pourquoi au chapitre 1, le prophète appelle les anciens et les sacrificateurs à mener deuil et à se repentir. Au chapitre 2, l'horizon s'élargit et dans ce verset-là, il ne s'agit pas seulement des sauterelles, mais d'une armée d'ennemis qui envahit le pays depuis le nord et qui vient dévaster. Alors, qu'est-ce qui se passe? La sonnerie de la trompette va retentir sur la montagne de Sion et le peuple va se repentir. Voilà la clé du réveil. Voilà la clé du réveil, la repentance pour amener le réveil parmi nos enfants, pour amener le réveil dans nos familles, pour amener le réveil dans l'église. C'est la sonnette, c'est la trompette qui a été sonnée sur la montagne de Sion pour appeler tout le peuple à se repentir. Alors vient le jour de l'Éternel dans lequel Dieu lui-même délivre son peuple de devant les armées du Nord. Le pays ne sera pas seulement béni extérieurement par la première et la dernière pluie, mais le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair, tel il nous est promis dans Joël 2, 28. Que le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Nous allons lire Joël, chapitre 2, de 11 à 32. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée,
car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Au verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Au verset 14, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Au verset 15, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants. Les enfants étaient inclus dans l'appel qui est fait pour la repentance. Les enfants sont inclus dans cet appel-là qui est cité dans Joël 2,16. Il est dit, je répète encore, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Même les nourrissons, même les tout petits bébés sont convoqués. Amen. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Au verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » Voilà, là, déjà, Dieu répond. Au verset 20, regardez encore la réponse de Dieu. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Au verset 21, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Au verset 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » Amen. « Il vous donnera la pluie du Saint-Esprit. » Amen. En son Alléluia. Temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Amen. Au verset 24, les airs se rempliront de blé, mm-hmm. et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Alléluia. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, mm-hmm. c'est-à-dire les années qui étaient gaspillées, mm-hmm. les années où nous avons eu des échecs, mm-hmm. les années perdues. Oui. Dieu va remplacer les années que nous avions perdues. Amen. Au verset 25, il nous est dit ceci, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Dieu va remplacer les années perdues. Amen. Dieu va remplacer les années qui étaient dévastées, dévorées. Mm. Dieu va remplacer les années d'échecs. Amen. Dieu va remplacer les années qui ont été gaspillées. Oui. Dieu va les remplacer à nouveau. Voilà Amen. La promesse qu'il est en train de faire. « Je vous remplacerai les années. » Gloire à Dieu. Amen. Le Gélec, le Hazil et le Gazon, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, au verset 26, et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mmh. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même
sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors, quiconque, au verset 32, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Sauvé. Et le nom de l'Éternel nous est révélé dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ dans les derniers temps, amen, sera sauvé. Amen. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Mm-hmm. Amen. Amen. Donc voilà la prophétie qui est donnée pour le réveil des derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que le Seigneur revient bientôt. Et nous avons vu que nos enfants, chacun de nos petits, jusqu'à ceux qui sont à mamelle, sont inclus dans ce réveil des derniers temps. La promesse qui est donnée de la pluie est pour eux. Nous devons en prendre conscience, Église. Et nous devons prier plus que jamais pour que nos enfants reçoivent cette puissance. Amen. Pour que nos enfants soient remplis de l'Esprit Saint. Amen. Pour que nos enfants puissent être dirigés, conduits, contrôlés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous ne devons pas les laisser de côté quand il s'agit de la prière. Nous ne devons pas les laisser de côté lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit. Mm-hmm. Nous devons les inclure dans ce réveil parce qu'ils sont concernés. Amen. L'appel est également pour eux. Alors que nous sommes en train de clôturer ce mois de mars, nous voulons focaliser nos prières, nous voulons prier pour que tous nos enfants, ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, puissent recevoir le Saint-Esprit. Amen. Dans Osée, au chapitre 6, au verset 3, il est dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Oui, la pluie du Saint-Esprit est pour nous et pour nos enfants. » Amen. À quoi sert le Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est un revêtement de la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu en nous pour témoigner. La puissance du Saint-Esprit nous équipe des dons spirituels pour progresser, pour apprendre à marcher par la foi. Dans Jean 3, 5, il est dit ceci, « Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Le Saint-Esprit est inclus dans le plan du salut. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, les deux, le baptême d'eau au nom de Jésus sauve et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue sont inclus dans le plan du salut. Nous devons enseigner à nos enfants cela. Dans 1 Corinthiens 2, 10, il nous est dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nos enfants ont besoin du Saint-Esprit. Nos enfants sont des âmes. Nos enfants sont des êtres spirituels. Nos enfants n'ont pas de limite. N'ont pas de limite. La seule limite qu'ils ont, c'est celle que nous, adultes, nous leur imposons. Mais dans le domaine spirituel, c'est nous vrai. Pouvons les élever. Nous pouvons les emmener très loin. Et pour terminer, nous voulons prier pour nos enfants. Nous avons terminé le mois de mars, mais le réveil pour nos enfants et pour toute cette année 2020. Nous sommes à la fin des temps, le Seigneur revient et nous voulons que nos enfants expérimentent la puissance de Dieu. Nous voulons que nos enfants soient sauvés. Nous voulons que nos enfants puissent avoir un réveil personnel dans leur vie. Il n'y a aucun jeu, il n'y a aucune distraction, il n'y a rien qui peut remplacer la présence de Dieu. Nos enfants ont aussi un vide, bien qu'ils sont petits. Et ce vide, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Quelquefois, on pense que ce sont seulement les adultes qui ressentent un vide, quelquefois, dans leur vie. Mais nos enfants aussi ont des vides qu'ils essaient de combler. Qu'ils essaient de combler par de diverses choses que le monde leur présente. Mmh. Mais vous devez savoir, nous devons savoir que rien ne peut remplacer, rien ne peut combler le vide qu'il y a dans le cœur de nos enfants. Si ce n'est Dieu lui seul. Il n'y a que Dieu qui peut combler leur vie. Il n'y a que Dieu qui peut remplir leur vie de toutes ses bénédictions et de toute sa richesse. Prions ensemble. Seigneur, remplis-nous d'un esprit de sagesse, de force.
Donne-nous, Seigneur, du discernement. Nous voulons te prier pour chacun de nos petits, chacun de nos bébés, chacun de nos enfants. Nous te prions, Seigneur, de déverser ta puissance sur eux. Nous te prions, Seigneur Jésus, qu'il y ait un réveil comme jamais avant parmi nos enfants. Nous voulons les voir prier, louer le Seigneur. Nous voulons les voir être utilisés par ta main puissante dans cette génération. Rien n'est impossible à notre Dieu. Le réveil qui est promis dans ta parole est pour nos enfants. Le réveil des derniers temps est pour nos enfants. Nos enfants, dans leur bouche, peuvent prophétiser, peuvent avoir ta parole, ton onction. Seigneur, libère cela dans la vie de nos enfants. Libère ton onction. Libère ta puissance dans leur vie. Seigneur, remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les de ta puissance. Remplis-les, Seigneur. Remplis le vide qu'il y a dans leur cœur. Remplis le vide qu'il y a dans leur vie, que rien ne peut combler. Que rien sur cette terre ne peut satisfaire. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a personne d'autre, Seigneur, pour nos enfants. Seigneur, viens agir dans leur vie. Viens, Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens, Seigneur, nous voulons avoir un réveil dans nos églises. Nous voulons voir un réveil parmi nos enfants. Nous voulons voir un réveil dans le ministère des enfants. Nous voulons voir un réveil dans nos classes d'école du dimanche. Seigneur, que tu viennes visiter par ton onction nos classes alors que nous sommes encore en début d'année 2020. Nous sommes au premier trimestre de l'année 2020. Peu importe les choses qui se passent autour de nous, nous croyons que dans tout cela, Dieu est au contrôle. Nous croyons que tu tiens le monde dans ta main, que tu tiens nos enfants entre tes mains, que tu tiens le monde entier, que tu tiens le jour et la nuit, que tu tiens les nations entre tes mains. Seigneur Jésus, nous remettons nos enfants entre tes mains. Nous remettons leur futur entre tes mains. Qu'ils soient, Seigneur, plantés près du courant d'eau de ton esprit, afin qu'ils puissent porter du fruit en leur saison. Seigneur, nous te confions nos enfants, Seigneur. Agis dans leur vie, Seigneur. Remplace, Seigneur Jésus. Remplace tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Viens les combler, viens les visiter. Maintenant, j'aimerais inviter tous les parents. Prenez vos enfants avec vous. Allez, prenez-les dans vos bras s'ils sont petits. Mettez-les à côté de vous. Priez pour vos enfants. Priez pour eux. Nous sommes dans les derniers temps. Nous ne pouvons pas attendre demain, nous ne pouvons pas attendre 5 ans, nous ne pouvons pas attendre. Chers parents, nous ne pouvons pas attendre. Les jours sont difficiles, l'avenir est incertain, mais nos enfants, nous les confions dans les bras du Seigneur. Nous les confions, nous les remettons entre les mains du Seigneur. Priez pour la repentance, priez pour vos enfants, priez qu'ils se libèrent, priez que vos enfants viennent devant Dieu, se repentir, nettoyer leur cœur pour que Dieu puisse les remplir du Saint-Esprit. Priez pour vos enfants à la maison. Priez que Dieu les visite. Priez que Dieu les fortifie. Priez que Dieu les sanctifie dans le nom de Jésus. Mettre la crainte dans leur cœur. Priez pour que le Seigneur puisse mettre la crainte de Dieu dans leur cœur. Nous remercions le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, les chants, la louange dans la présence de Dieu. Vous savez, Église, c'est tellement important le message que nous venons d'écouter au sujet des enfants. Dans les derniers temps, nous voulons que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit. Nous voulons que nos enfants soient couverts de la présence de Dieu. Et tout cela commence par nous, dans nos maisons. On invite la présence de Dieu. Comment on invite la présence de Dieu? C'est dans la prière, on se répand. C'est dans la louange, c'est dans l'adoration, c'est dans la lecture de la parole de Dieu. On médite la parole de Dieu. On met d'abord Dieu en premier. Quand on se réveille le matin, on apprend des bonnes habitudes à nos enfants. On apprend nos enfants à prier, on apprend nos enfants à adorer, à chanter des cantiques pour le Seigneur. Quand les enfants vont grandir, souvenez-vous les deux premiers messages que Sœur Pauline avait apportés. Quand nos enfants vont grandir, ils vont s'en souvenir. Donc, tout commence aujourd'hui. Demain, les enfants nous poseront les questions. Papa, qu'est-ce que vous avez fait de notre avenir? Qu'est-ce que vous avez fait de moi? Ils vont nous poser des questions. Alors, c'est aujourd'hui que nous devons établir les bases solides. Les bases solides dans la prière,
les bases solides dans la louange, les bases solides dans l'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu. Regardez comment nos enfants sont tellement envahis par des jeux, par la télé, par les réseaux sociaux, par toutes ces choses-là. Et nous, de l'autre côté, on doit mettre une bonne dose du Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, enivré du Saint-Esprit. Regardez ce que le verset dit dans Joël 2, 28. Le verset dit bien que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Comme je vous avais dit précédemment, dans dimanche dernier, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, on doit se préparer. Même nos enfants doivent être prêts. Nos enfants doivent prier. Nos enfants peuvent prier aussi en langue. Alléluia, c'est ce que la Bible dit. Amen. Donc, mon exhortation, mon encouragement pour conclure ce message, c'est prenez du temps pour prier avec les enfants. Prenez du temps pour parler avec les enfants, pour leur enseigner les principes divins, les principes de la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Mettez la crainte de Dieu dans leur cœur, qu'ils grandissent dans cette crainte et qu'ils respectent la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, comme Sœur Pauline a dit tout à l'heure, prenez le temps de prier avec vos enfants. Vous leur apprenez comment se repentir, comment demander pardon à Dieu. Et le Seigneur le remplira du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et tous ensemble, nous voulons continuer. Nous voulons garder la foi. Nous voulons demeurer dans la parole de Dieu. On n'a peur de rien parce que Dieu est avec nous. Amen.